Bonsoir à tous les écouteurs. C'est moi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On va partir pour un petit peu de Sekiro ce soir. Toujours avec pour objectif ce foutu platine. Sekiro qu'on a eu un pain que j'ai eu plus que on a eu. C'est pas que j'ai pas envie d'y jouer, mais c'est que à chaque fois le planning fait que j'ai eu quelques problèmes sur Kingdom Hearts la semaine dernière pour poursuivre comme je voulais. Donc du coup je me suis dit j'ai envie de savoir la suite, donc on va continuer Kingdom Hearts. En gros, il y a toujours eu plus ou moins des problèmes de planning qui font que j'en ai fait que genre une fois par semaine à chaque fois. Alors que je veux en faire minimum deux fois par semaine, ce qui est un peu chiant. Et du coup, normalement, ce soir et demain, on Sekiro du coup. Alors ça va Dice. probablement Phoenix. Et salut à toi, comment tu vas? Je pense que on va Dice Twice de fou là. Même plus que Twice, hein. On va faire ça de fou. Et là, en plus, on est sur le boss, le même boss que la dernière fois, la Dame Papillon, je crois. Ça va, je viens de... Ah, merde! Ah, moi, ça va, mais... Qu'est-ce que t'appelles tous tes papiers, des trucs importants? Genre, carte bleue, carte vitale, carte d'identité, permis de conduire, si t'en as un. Genre, t'as perdu ton portefeuille, j'imagine. Ça, c'est bien quand ça arrive, hein. Ça fait toujours plaisir. Une anecdote, je sais pas si je l'ai déjà... Ouais, c'est ça. Ah, trop bien. Trop bien. J'ai une anecdote à propos de ça, je sais pas si je l'avais déjà raconté. À l'époque où je prenais le bus, j'avais perdu mon portefeuille.
Donc dedans, carte d'identité, carte vitale, j'avais pas encore le permis, sinon je serais pas dans le bus. Pareil, la totale. Et dans mon portefeuille, il y avait... Et 70 euros en cash, le mec qui l'a ramassé, c'est bien. Bah voilà. Et bah moi aussi, il y avait 70 balles en cash dans mon portefeuille. Et je me suis dit la même chose, putain, ça fait chier, j'ai perdu... 70 balles. Et 50 ou 70, enfin entre les deux en vrai, mais je crois que c'était 70. Et du coup, ben j'ai appelé le réseau de transport urbain, quoi, pour savoir si le chauffeur de bus ne retrouvait pas mon portefeuille. Et non, rien, rien du tout, fait chier. Alors j'entame les démarches pour refaire tous mes papiers, carte d'identité, carte vitale, tout ça, truc bien long. Une fois que toutes les démarches ont été faites et que j'ai tout reçu, le lendemain, j'ai reçu un appel de la part de l'entreprise qui gère les bus dans ma ville, quoi. On a retrouvé votre portefeuille, si vous venez venir le chercher, on l'a. Bon bah très bien, j'y vais. Il fait vous aviez quoi dans votre portefeuille? Je fais j'avais mes papiers, donc j'explique ce que j'avais. Et 70 euros ou 50 comme j'ai dit, hein, je sais plus, c'était entre 50 et 70. Et le mec sort les billets devant moi, il est compte, il fait vous avez tout. Alors j'étais content de revoir mon argent, mais ça m'a un peu fait chier pour les papiers que je venais de tout refaire, quoi. J'ai bien de la chance, ouais. Mais c'est pour ça, toujours y croire. Peut-être que ça se trouve dans... Parce que vraiment, l'appel s'est fait un mois après, hein, facilement. Hein. Toujours y croire. On sait jamais, ça se trouve, tu vas refaire tous tes papiers et tu vas récupérer ton fric au moins. Tu vas... Toujours y croire. Mais ouais, bon. Voilà, quoi. Bon, du coup, on va partir sur Sekiro. On va changer un peu les idées. On va pleurer tous ensemble. Ça va être bien. Let's go. Là, je viens de commencer pour faire mon permis. Il demande le numéro de permis, son smart, le gouvernement. Ah, j'ai jamais eu encore, et j'espère que ça n'arrivera pas, l'occasion de refaire une demande de permis. J'avoue que je sais pas comment ça marche, mais ouais, par contre, demander le numéro de permis pour un permis perdu... Mais c'est généralement un peu ça pour tout, hein. C'est comme... je crois que c'était mes identifiants Pôle emploi aussi à l'époque. Je les retrouvais pas, j'avais pas de courrier, je sais plus c'était quoi le délire. Et pour pouvoir accéder, faire une nouvelle demande d'identifiant, il fallait que je redonne mes numéros d'identifiant. J'étais en mode, vous foutez de ma gueule. Mais c'est ça pour pas mal de choses, en vrai... T'as perdu le truc et on te demande quand même ton numéro d'identifiant. Alors par contre, je viens de voir qu'il y a un décalage entre l'image et le son. Excusez-moi. Je règle ça. Si mon PC redétecte ma carte de capture un jour. Ah voilà. Ouais, oui, effectivement, je vois. Ouais, enfin, n'empêche que ça fait chier, quoi. Alors, par contre, par où c'est qu'il faut passer? Parce que je ne sais plus. Oui, c'est par là. Comme d'hab, il faut que je réapprenne un peu les touches et tout. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ah, ce sadisme. Comme quoi ça paye, hein. D'aimer se faire fouetter. Il y a des gens qui viennent te regarder qui aiment ça, hein. Bon. Olé. Arrière. Ok. Je vais quand même boire un coup, voilà.
Ah, je suis désolé, hein, je vais rester. Ça va être difficile de regarder tout le temps le chat, hein, je pense que vous comprenez pourquoi. On n'est pas là pour rigoler. Une vieille histoire entre mamie et moi là. Allez. Ah! Mais... Wow! Je suis pas d'accord avec tout ça, madame. Oh putain. Elle est vénère, mamie, hein. Oh putain! Bah oui, ressuscité, évidemment, ressuscité. Ah, ça m'énerve, je suis mort un peu comme un caca, je trouve. Ok, bon. Première barre de vie. Elle est où? Ah oui, c'est vrai que... Elle invoque des espèces de bordel. Barrez-vous. C'est moi. Non. C'est moi, j'ai dit. Ah. Mais il y en a deux. Ah, mais c'est quoi ça? La deuxième phase, je l'ai pas, hein, pour l'instant. Oui, non, non, laisse-moi. Merci. La première phase, j'arrivais à la passer. Alors, j'allais dire sans difficulté, non, ce serait mentir. Mais, oula, oula, en tout cas, ça se passe mieux. C'est pourtant facile. En vrai... J'imagine qu'une fois que t'as le truc pour les merdes qu'elle t'envoie dans la gueule, oui, il y a moyen que ce soit plus simple. En tout cas, c'est mieux quand tu comprends. Mais vu que... Bah, je sais pas. Oh là là, je suis une merde. Je fais moins bien que tout à l'heure. Ah oui, mais j'avoue que c'est pas aussi, j'avoue. Salut Flemmard, comment tu vas? Moi ça... ça va moyen là. Martyrisé par la vieille madame. Ah là, laissez-moi tranquille. Sale pâle. Aïe. C'est vrai que je pourrais lui envoyer des cendres dans la gueule, ça se trouve. Là par contre j'ai fait vraiment de la merde. Et je continue à faire de la merde, ça c'est cool. Ok, c'est marrant. Là, je vais faire exprès de mourir. Non, pour l'instant, je vais pas. Je veux pas de tips pour le moment parce que la deuxième phase, c'est genre la deuxième fois que j'y arrive. Donc, tu sais, j'aimerais bien essayer de découvrir un peu plus, mais au bout d'un moment, je pense que j'hésiterai pas.
Allez, on y retourne. Alors attendez, voilà, prendre mes gourdes. Let's go. Allez, crève! Enfin, crève. C'était ambitieux de lui demander de crever après genre 3 coups, mais... Putain, et j'appuie pour contrer un, mais... Ah, la connasse. Bah, j'ai un peu peur avec les esquives, je suis désolé, j'oublie le nom à chaque fois, mais vous savez quand c'est écrit en rouge. Parce qu'il y a des attaques, je sais que je peux pas les esquiver, et d'autres, je peux, mais... Du coup, je suis toujours un peu peur. Ah, genre, typiquement, celle-ci, pour moi, je peux l'esquiver, mais... Oh, bon, je fais de la merde. J'avais oublié qu'il la visait plus. Ah, je peux pas, ouais. Ah, c'est une attaque de zone que je peux pas, ouais, je... Mais genre, quand elle va en l'air, là, je... On est d'accord que je peux pas. Genre là, par exemple, si elle fonce sur moi et qu'il y a le truc rouge qui se met. Ouh, la connasse. C'est tellement compliqué, j'ai déjà plus de gourde pour la phase 2, quoi. Allez, mamie. Ah oui, mais à cette épée, elle triche. Ouais, je pense que je peux pas non plus faire attaque aérienne. Mais ouais, mais même sur les autres attaques, en fait, ça me fait paniquer, tu vois. C'est pareil, eux, ils me font stresser de fou, en vrai. Et voilà, mais qu'est-ce que je suis censé faire là en fait hein. Ouais, visiblement pas ça, effectivement. Je crois qu'on est bien d'accord. Ah, j'ai essayé de faire le coup du flip off flip flap là, comme ils disent les experts des From Software. Elle recule la pleutre. Hein.
Ah non. Putain. J'arrive pas. Je sais pas si ça se voit que j'arrive pas. Merde, putain, j'avais oublié qu'elle était plus... La cible, elle est plus lock quand tu ressuscites. Je trouve ça tellement con en vrai comme principe. Oh non. Ouais. Ça se voit un tout petit peu. Bon, tant que ça se voit, au moins... C'est cool. Je sens que ça va être une bonne soirée. Je vous le dis. En vrai, rien que battre ce boss ce soir, c'est un bon objectif. Hein. Ouais, ça marche. Bon app du coup. Et à toutes. Ah, j'arrive plus à esquiver tes merdes là. Ah, en plus j'ai pas pris les gourdes sur moi. Ah, je ressuscite mais c'est déjà perdu. Oh, j'ai fait full de la merde. Ah ouais, elle a baissé ma garde comme ça, vraiment? Ah non. Ah, je suis un étron. Nul à chier. Oh, oh là là. Oh, oh non, bah non. Ah, nul à chier. Ah, pas dingue, hein. Allez, on y retourne dans la joie et la bonne humeur. Et salut Vigali. Comment ça va? Allez, viens là. Ah putain, j'arrive pas à faire cette merde. Ouya. Ouya. Désolé, hein, je suis un peu concentré. Je vois pas trop le chat. Je vois qu'il y a des messages qui pop du coin de l'œil, mais. Ouh, ça c'est bien vu. Je devrais m'en arriver. Non, pas forcément, j'avoue. Mais moi, ça. Ça se passe, j'ai envie de dire.
Allez là, venez vous battre. Oh là là. Ça se passe si mal. La deuxième phase, je la comprends pas. Ah putain, quelle merde. Ah merde. Désolé, prends-toi, Viga. Pardon. Bon, la phase 1, je l'avais passée plus facilement que d'habitude sur cet essai, mais... Alors, je pense que je peux faire mieux, hein, mais... C'est vraiment la phase 2, hein, je la connais pas trop, je... Désolé, hein, je suis concentré. J'avoue que les jeux comme ça, en Let's Play Platinum, généralement, c'est pas toujours évident de regarder le chat. Je m'en excuse. Oula, alors elle a bugué avec la poutre. Ouais, ça j'évite, hein, tant pis. Ça me fout trop dans la merde quand j'essaye de le faire. Ok, hop. Ça c'est bien, on n'a pas utilisé une gourde, on a encore notre Resurrection. Là j'ai envie d'y croire. Que je sois derrière un pilier, non. Plus jamais. Mais elle me spamme de loin, la connasse. Allez, viens te battre. Ah, la salope. Allez, bats-toi. Oh, 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 oh.
Ah, j'ai fait des moves pas très smart, j'avoue. Ah, putain, mais en fait, je peux pas parer et son attaque et les trucs rouges là. Je sais pas, le coup des piliers, j'y crois moyen, hein. Bizarrement. Je suis pas si mécontent de cet essai là en vrai, hein. En tout cas pour la première phase, on l'a bien géré. Maintenant ce serait bien de gérer la deuxième phase, évidemment. Évidemment. Mais en fait la première phase, une fois que tu connais, j'ai l'impression que c'est un peu pour les bébés. Mais je suis pas à l'abri de faire une erreur comme là par exemple. Je vois un coup. Merde. Je vais essayer une autre stratégie, putain, avec mes shurikens, si j'en ai l'occasion. Je vais pas lui balancer sur elle, je vais lui balancer sur les autres cons qu'elle fait apparaître. Là déjà c'est beaucoup moins bien parti que tout à l'heure, parce que j'ai déjà niqué deux bouteilles sur trois. Ouais, non, bah, non, rectification. J'ai niqué toutes mes bouteilles. Ah. Ah ouais, je fais de la merde. Putain, je l'avais si bien fait tout à l'heure, la première phase. Non, non, vraiment, je pense pas que ce soit le bon move, Piga. Salut Destiny, comment ça va? Mais oui, mais voilà, mais madame connasse. Moi ça va pas. Qu'est-ce, comment je fais pour ça? Poupi. Non, je m'en fous de ta vie à toi. Voilà, allez. On repart se battre dans la joie et la bonne humeur. Oh quoi? Ok. Allez, vas-y, fais ta merde là. Putain, mais en ce moment, ma vie dans les jeux vidéo, c'est d'affronter des vieux entre Kingdom Hearts et elle là. Putain. Où sont les EHPAD?
merde. Oh merde. Je suis de merde, je suis de merde, je suis une merde. Allez. Il manque pas grand chose. Allez, voilà, parfait. C'est ta crête de boule de... Ah mais de fou. Allez là. Va pas être des connards. Putain, mais ouais, mais comment je fais pour esquiver cette merde, hein? Vraiment, je... Ça va, madame? Je vous gêne pas? Mais bois ta bouteille! Connard. Voilà, je te dis. Non, en vrai, je fais genre, ça m'énerve, mais ça m'énerve pas. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est dessus. Et je trouve qu'on a déjà bien progressé sur la première phase. Oh non, mais. Voilà, non, mais. Putain, elle fait ça d'entrée de jeu, la connasse, je m'y attendais pas. Putain, une gourde en moins, allez. Il y a des attaques, j'ai l'impression de les esquiver, et pourtant, enfin de les parer en tout cas. Oh non. En fait, moi, je me concentre pas sur sa barre de vie, je me concentre vraiment sur la barre de, du dessus. Ah, que vous voyez qui se remplit quand j'esquive et quand je tape. Parce qu'une fois que ça c'est plein, je lui mets un coup qui one-shot sa barre de vie. Voilà, comme là. Combien de morts? Peut-être pas autant en vrai, je crois que je suis mort depuis que t'es parti 5 fois. Quelque chose comme ça, je pense. Est-ce que si je la fais chier comme ça, elle va pas invoquer ces bordels là? Ah si, elle les invoque. Elle m'a perdu de vue. Enfin, je l'ai perdu de vue. Aïe.
Voilà, c'est ça, je comprends pas. Ça, j'avoue, je comprends pas. On va dire que je suis à 9 morts alors. Oui, si tu veux. Ces putains de boules de feu qui m'arrivent par derrière que je comprends pas. Je pense que je vais devoir pas mal jouer avec les esquives aussi finalement. Je fais beaucoup de parades, ce qui est bien. Mais sur la deuxième phase, je pense que je vais devoir beaucoup miser sur l'esquive. La tactique des boules de feu, ouais, j'avoue, peut-être, pourquoi pas. Voilà, arrête de sauter là, elle est chiante. Bats-toi ou te bats pas, mais... Putain, elle est vraiment chiante. Mais... Arrête. Mamie. Wow. Aïe. Je suis derrière un poteau parce que c'est la sécurité, hein, bien sûr. Ok. Quoi? Ok. Super. Je retiens. Cette tactique m'a l'air formidable. Je vais faire ça. Ah là, il tente des invoques quand même. Aïe. Moi les tactiques... Ouais, les boules, elles me font peur. Ok, je cours. C'est pas mal. Ah, la salope. Ok, bon bah là je vais courir, je sais pas où elle est. Elle est là. Non, elle est pas là. Elle est où? Ah, tout va bien.
C'était pour la blague. Non, dommage. Ah oui, mais je peux ressusciter, je crois. Oui, tout à fait. Après, c'est pas gagné pour autant. Oh non, 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 c'est loin d'être gagné, effectivement. Ok, très bien. Un plaisir. C'était approuvé. Ah ouais, non, mais ouais, courir, ça va mieux du coup, mais bon, on progresse, mine de rien. Ah oui, le PC, le S, hein. Allez là. Non. Ok. Putain. J'appuie pour bien sur les touches là. Pas bien sur les touches. J'ai fait de la merde, voilà. Je fais de la merde. On peut le dire, on est entre nous, hein. Je fais de la merde. Merci Vigali pour le sub offert, merci beaucoup. Merci beaucoup, t'es adorable. Ah oui non. Et merci encore pour le sub, qui que tu sois. Non. Désolé, hein. Merci beaucoup pour les subs, sub offert, sub tout court, je ne sais pas pour le deuxième. Mais en tout cas, merci beaucoup. Putain. Ah.
Ah, du coup, merci Vigali pour les deux subs offerts, merci beaucoup. D'un amour, merci beaucoup. En mode de jeu dans le monde. Attendez, je remonte un petit peu. Le mec est riche. Quand les fantômes spawnent, tu peux déjà courir tout autour de la salle. Ah ouais, je crois que. Enfin, faut pas que je m'occupe des fantômes en vrai. Juste, on s'en balèque. Ah putain, j'ai plus mon truc de feu, fait chier, j'ai un shuriken, c'est plus la merde. Je vais pas l'utiliser pendant ce combat, tant pis. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Il y a des choses que je comprends en jouant au jeu vidéo, c'est incroyable. J'ai compris pourquoi des fois il y a un coup que j'esquive pas, c'est parce que moi aussi j'ai une barre en fait. Et donc forcément. J'avais déjà remarqué qu'il y avait une barre qui apparaissait en dessous moi, mais j'avais pas trop fait gaffe, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait le lien. Je la vois plus. Madame. Putain, mais oui. Elle triche. Non. Mais what the fuck? Je vais pleurer. Deux gourdes sur la première phase, hein, c'est pas glorieux. Putain, mais laisse-toi te toucher là. Voilà. Mais laissez-le devenir un papy s'il veut, il est gentil. Aïe. Pas exactement ce que j'avais en tête. Ok, donc là je vais courir autour de la salle. Ah ouais, faudrait que je cours mieux autour de la salle que là. C'est toi là, la fille de la chouette. Ah, il faut que je cours, même quand il y a ça, faut que je cours en vrai. Ok, bon. Je pense que j'ai...
Ouais, mais c'est chiant de la toucher s'il faut que j'évite toutes les boules de merde là. Je le vois que c'est faisable. Je le vois que c'est faisable. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire. Bon. Non, non. J'avais pas cheaté qu'à commencer par sa merde. Elle est pas fun, elle est chiante là. Pas rigoler avec elle. Ouais, j'ai même pas envie de Hein. Voilà. Pas de ressuscitation, comme on dit. On va dire 50, allez, on arrondit. Oui, laisse-moi, je sais que t'es mort. Wow. Je les ai pas vus partir, putain. Mes bouteilles! Putain. Vous voyez, le poteau, il m'a un peu sauvé. Finalement, les poteaux, c'est mes amis quand même. Pas toujours. Mais des fois. Un petit poteau de temps en temps. Désolé, hein. Je vois le chat défiler, mais bon, c'est un peu... Ouais, non, c'est de la merde. Le prochain fight, regarde ton inventaire vite fait, ça te dérange pas. Ouais, on va faire ça. Compteur de mort pour le prochain... Bah en fait, le compteur de mort, c'est pas un truc qui me dérangerait, mais ce serait chiant à mettre en place avec... Vu que c'est sur PlayStation que je suis. Comprenez-vous? C'est vrai que ça, poudre curative, remède aux poudres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'un sucre de brun, genre je mets deux coups et c'est fini. Il y a ça. Bon, fabriquer, profiter de la protection, augmente temporairement la puissance d'attaque. Ouais, vous voyez ça par exemple. Si je l'avale. En vrai. C'est pas si broken. Oui, non, mais je veux tout. Ça peut servir. Ouais, pas faux, pas faux. Comment on voit les objets que j'ai dans mon inventaire pour justement, par exemple, remplacer ça par les cendres, par exemple. Parce que utiliser... Non, je veux pas. Ah, c'est là. Même idole de retour chez soi pour l'instant. Ah, déjà, j'ai enlevé les boulettes. Ouais, ça peut servir, mais j'en ai pas beaucoup. Je suis bien d'accord avec So. Qui font des bruits en explosant. Longue vue. Bon, on s'en fout. Petite bourse. Ah, tu vois, j'ai pas. Une graine de bouterolle.
Si une illusion se produit, c'est qu'elle a été créée par quelqu'un pour vaincre les fantômes et revenir à la réalité. Il faut vaincre le créateur de l'illusion. Genre, ah, mais elle crée des illusions des fantômes, non? Ça enlève les fantômes. Ouais, bah ouais. Mais on est d'accord que si je l'utilise, par exemple, au prochain essai, bah c'est fini, je l'ai plus à l'essai d'après encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'en ai qu'une, ouais, voilà. Ouais, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Mais même ça, poudre. Alors, pas pare-feu, peut-être pas, mais en antidote. Soit une altération, poison. Ah, poison, on s'en fout. À remettre. Attention, ouais, non. Figure de Bouddha. Cette couverture. Et je... Ouais, on s'en fout. Contre elle, c'est sympa. Il n'y a pas un bouton reset comme sur Pokémon. Ah non. Malheureusement. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir grand chose d'utile. Je pourrais mettre l'huile à la rigueur. Bah non, mais de toute façon, j'ai pas assez de trucs pour mon feu que j'utilisais tout à l'heure. Donc, pour moi, il n'y a rien. Rien de fou, hein. Pas ce que vous en pensez, mais... Alors, je suis quand même équipé de mes gourdes. C'est déjà qu'avec mes gros doigts, quand j'en utilise une, des fois je change l'objet sans le faire exprès. Aïe aïe aïe. Oh là, me casse les couilles, hein, vraiment. Je vais résurrectionner aussi là, c'est bon. J'ai tellement fait de la merde. Non, c'est pas bon ce que je fais. Je suis pas. Là, je suis sur une contre-performance, les enfants. Ouais, non, mais ça va passer. Mais c'est juste que là, il y a 2-3 essais où je fais moins bien que ce que je fais d'habitude sur la première phase et ça me plaît pas. J'aime pas trop beaucoup ça, quoi. Non, 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 j'avais pas vu comme ça. My bad là-dessus. Ah, je suis à chier. Je suis vraiment à chier. Je me déteste, j'ai envie de me frapper. Ouais, je vous l'ai dit, hein, une baisse contre-performance, quoi. Je sais pas trop ce qui me prend, l'eau. C'est mauvais. Oh.
Mais j'appuie pourtant sur sur L1, merde. Mais j'appuie. Putain, mais ta mère, j'appuie quoi. Bah oui, mais disons que d'habitude, c'est ma technique sur la première phase de parader. Et je sais pas pourquoi. Ah, là par contre, c'est parce que je l'avais pas en focus. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Alors là, je sais pourquoi. Mais quand j'appuie sur L1, marche pas. Ouais, non, là c'est moi qui fais de la merde. Mais non, bro, si. Couvre un service de coaching secure. Il pourrait le faire. Bah, comme un jeu de rythme, oui et non. Je suis pas 100% d'accord parce que c'est pas toujours les mêmes coups au même moment. Là par exemple, d'habitude, souvent, elle m'envoie ses merdes plutôt que de foncer vers moi. Typiquement. Ah, c'est pas... Vas-y, tue-moi, s'il te plaît. J'ai pas aimé. Ouais. Je sais pas. Oh non, là par contre... Si toi aussi tu t'y mets, je pleurais, hein. S'il vous plaît. Ah, mais ça va passer, hein, mais oh, bon, je l'ai pas vu faire encore. Mes gros doigts. Non. Allez, bon, c'était la dernière fois que je faisais de la merde. Je me refocus. Faut que je me refocus. On va y arriver. Non, laisse-moi.
Allez. Oh non. C'est pas grave, ça va encore. Aïe, c'est moins bien. Wow, c'était quoi ça? Bizarre comme ambiance. Allez, ça va bientôt dégager normalement. Ok. Là, c'est pas mal. Là, j'aime bien. Alors. Ouais, je sais que je suis assez impressionnant, mais... Tu me fais quand même peur. J'ai pas le temps de prendre ma gourde. Résurrection. Je que dalle. Connasse, il restait rien. Ah putain, mais sur la fin j'ai vu que je devais lui mettre que deux coups, mais j'ai jamais réussi à lui placer. Putain. C'était win normalement, ça fait chier. Tralala les enfants. On avait si bien géré. J'ai envie de bouder. Bien ça.
Bon, c'est bon là. Ah la connasse. Ok. Ah non. Ah non, quel trou de balle je suis. Ouais, je suis le roi des trous de balle. Normalement, je devrais pas me faire là-dessus. Les gros doigts. Putain. Elle est où? Ah la connasse. Bon, faut courir. Putain, mes gros doigts, encore. Non, mais putain, j'en ai marre. Si jamais je vois que tu le fais pas trop, mais quand ta barre du bas est quasi rempli, reste en garde, la fais pas baisser en vrai, plus vite. Moi j'étais close. Ouais, là ça fait deux fois d'affilée que c'est close, mais... De quoi la barre du bas au niveau de... Le même principe que elle avec sa barre du haut. Où je reste en garde quand ça commence à augmenter. Et moi quand ça commence à monter, j'aurais tendance à taper une esquive un peu comme ça. Du coup si c'est ça, c'est que j'ai pas compris le truc. Oh, mais putain! Tu peux pas commencer avec ça! J'ai regardé le règlement, c'est interdit! Ah, il a barre de posture, ok. Putain, faut pas que je regarde le chat, je suis désolé, hein, mais faut pas que je regarde le chat pendant que je combat parce que voilà ce qui se passe. Ok. Non, mais je savais pas que c'était mieux de rester en garde du coup, mais je vais faire ça. Hein. Je vais faire ça.
Parce que j'ai l'impression qu'en fait ça... De base ça casse ma garde en fait, tu vois. C'est pour ça que je me dis bah... Trop bizarre de pas faire ça quoi. Et effectivement je vois que... En faisant ça... Ouais ok. Non mais non mais non mais non. J'ai été dessus comme un connard en plus. À chaque fois... Mais ok, j'ai compris le coup de la posture là. Effectivement, hein, ça brise ma garde, mais si elle m'attaque pas et que je fais la garde, ça la fait baisser de fou, quoi. Ok, bon, il y a ça. Ouais, voilà. Parce que j'ai bien compris. Mais pourquoi il y a un connard qui est resté là? Barrez-vous monsieur? Bah oui. Ça fait chier. Bon allez là. Ok, ça va partir. Mm-mm.
putain! Je suis à rien. Ouais, j'ai pas spécialement grid en plus, je trouve en vrai. Bah oui, j'y suis presque. Non, mais ça va passer ce soir, hein, 100% les enfants, mais. Fait chier, à chaque fois c'est sur la fin, je fais de la merde. J'ai envie de pleurer là. T'as deux doigts de quitter Trash et d'arrêter Twitch. Non. Je suis une merde humaine, hein. Ah ouais. C'était clairement pas fou tout ça, hein. Je quitte Trash encore, eh oui. Ouais, je sais, je suis je suis pas Yarin, ben je suis... Oh waouh, merde, j'étais un peu trop près de là où elle devait atterrir, je m'y attendais pas. Oh, mais j'ai rien esquivé là, je comprends pas. Des fois, je comprends pas. Hein. Bon, à mon avis, c'est pas sur cet essai là, hein, mais bon. Ils sont jamais, hein, faut y croire. C'est Aragorn qui l'a dit, il y a toujours de l'espoir. Ah, mais le boss peut pas crever, hein. Bizarrement. Je pensais qu'on s'était mis d'accord, le jeu et moi, pour passer un bon moment, mais... Si t'en utilises une avant de finir sa première vie, tu récupères une charge par la deuxième, ça peut l'économiser. Bah, je résurrection. Oui, mais j'ai deux résurrections, mais à chaque fois, souvent, je meurs à la deuxième résurrection, non?
Ah oui, d'accord, il faut que j'utilise une résurrection avant de finir. Ah ok, d'accord. Donc là, en fait, le but, c'est de pas me soigner, de me résurrectionner s'il faut. Ok. J'avais pas compris. Alors, je vais pas, c'est pas pourtant que je vais me laisser crever, hein, mais... quand même en bonne voie. En vrai, tue-moi. Comme ça, je te finis juste après. Ah, tue-moi. Voilà. Elle a mis un peu de temps à me tuer, du coup, j'ai perdu tout l'enchaînement. Ah, j'ai... Oh, je suis une merde. Peut-être pas la meilleure strat. Ouais, non. Non, 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 mais oui, du coup, j'ai cherché un peu à ce que me tue. Ouais, en fait, limite, t'aurais pas dû me le dire si j'ai fait de la merde. Mais bon. Non, en vrai, c'est moi, hein, j'ai fait de la merde. Arrête, me parle pas. Ouais, non, mais je pensais que ça allait la redescendre, mais pas autant. Et puis surtout qu'elle a mis du temps à m'attaquer, en fait. Oh, j'esquive plus rien, c'est horrible. Ah non, non. Mais je veux pas mourir, hein. Bizarre l'ambiance, hein. C'est pas bien. Allez, on se reconcentre, on refait... Ta gueule. On refait les bons trucs comme avant. Et vous allez voir ce que vous allez voir, hein.
Ah, dommage. Ouais, mais tu triches! Bon, voilà. Allez, là, c'est mieux. On a au moins 100 morts. Ouais, au moins, hein. Ouais, je suis impressionnant, blablabli, blablabli. Ah non, putain, mais j'étais en train de boire ma gourde. Pas quand je me désaltère, ma bonne dame. Allez, on court. Aïe! Oh là! Hé hé hé! Olé! Ah oui! Ah, j'ai bien enchaîné là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah oui! Je vais pas essayer de faire plus ou moins que d'habitude, hein. Parce que en fait, ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est bien, mais à chaque fois en voulant tenter des nouvelles choses, je fais de la merde. Donc, vraiment, hein. Je pense que on va pas se donner plus d'infos, ça sert à rien. Ouais, je suis capable, mais je sais, mais en vrai, ça va passer, hein, mais. Ça, vraiment un premier degré ce soir ça passe, mais bon, c'est frustrant de voir qu'il y a eu vraiment 3 ou 4 tentatives où ouais, descend s'il te plaît, voilà, faut arrêter de tricher un peu, hein. C'est tellement chier ce que je fais, ça me casse les couilles. Ça marche, merci pour le lurk, Phoenix. Et merci pour les encouragements. Hmm.
Ah putain, heureusement que j'ai la deuxième raise, hein. J'ai essayé de prendre ma gourde depuis tout à l'heure, mais... Putain, elle me fait chier, hein, cette connasse à chaque fois avec ça. Elle veut pas qu'on se batte en face à face, hein. Celui-là, ma barre, elle va descendre de fou, ça fait chier. Non, mais putain, je cours pour esquiver. Voilà, j'ai plus de deuxième résurrection. Voilà, oh là là. Les enfants, hein. Oh, quel coup. Ah, mais deux fois! Vraiment très très con, hein. Allez, bon. Phase 2. La phase 1, ça va, encore une fois, hein, vraiment. Je pense que ça se voit. Ah, mais... Putain, la phase 2, quoi. Évidemment. Pour faire chier. Mais non, putain, mais je suis un abruti fini.
connasse. Je l'ai, hein. J'ai beaucoup de haine envers cette personne. Je vous l'avoue, hein. Ouais, je le résiste pour la forme, hein, mais... C'est malheureusement loose. Oh bah surtout, oui, que... J'étais pris en pleine gueule, cela. Compliqué, compliqué. Allez. Non. Chier. Ok, ça c'est fait. Je vais prendre une gourde. Allez, viens. Ouais, la première phase, elle était bien, là. J'en suis pas mécontent. Je pense que... Sur la première phase, le plus opti, c'est... Et je l'ai déjà fait, c'est... conserver les trois gourdes, hein, mais... Connasse, quoi. Ah, ça barre à le fond. Ouais, elle est vénère, hein, sur la deuxième phase, hein, mais... Ok. Non! Dommage. Non! Ouais, ouais. Bon, bah, résurrection. Allez. Salut Ghostface, comment tu vas? Merde, j'avais pas vu qu'il fallait que je rappe une fois. Hop là! Pardonnez-moi, non! Ne me pas les couilles! La dame papillon fantôme, vous avez vaincu la dame papillon. Ouais. C'est comme ça qu'on fait, les enfants. T'as fait la Sophos 2? Oui. Évite de spoil quand même s'il y a des gens qui l'ont pas fait sur le chat. Si jamais tu voulais me parler d'un morceau d'histoire. Please. Ok, bon.
Je pense que... Ouais, merci. Voilà, merci. C'était bien. Hein. Putain, mais pourquoi je tombe sur des cons? Ouais, non mais... C'est ce monsieur qui est venu me voir, ou cette madame, hein, pour me dire, hé, hey, sur PS5, il y a une voix que j'arrive pas à désactiver. Oui, t'as raison, résurrectionne-moi encore. Oui. Je revis. Ah, je suis content, on aura quand même fait au moins un boss. Ah oui. Il se passe quoi là?流骸の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊。はい。石と共に出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかし、これは定かにはできることはあるか。流骸にかかったものが吐いた血の塊。 Donner la crème de gorge. J'en ai ? Ouais, ce qui me semblait. Ouais. Au revoir. Je peux lui parler à ce brave homme. Omae-san mo kita no ka. Présenter la prothèse. Est-ce que j'ai des trucs? Accepter une petite prothèse, peut-être, hein. Ah non. Améliorer. Ah ouais, il faut de la thune. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Ouais, bah. Merci bien, monsieur, vous ne ferez rien. Il est en train de canner le bordel. On va sauvegarder, hein. On peut faire les fous. Acquérir des compétences non améliorer les caractéristiques physiques. Alors, c'est pas ça. Améliorer la puissance d'attaque. Voilà. Puissance d'attaque a été améliorée. Parfait. Se reposer. Ça sauvegarde. Merci pour le GG. Voyager. Ouais, du coup. Ah non, ça c'est ce qu'on a fait. Là-bas, hein. Il me semble. Alors, c'est une zone où il y avait trois boss de mémoire. Oula. Oui, c'était quand j'allais par là, je crois. Trois mini-boss, du moins, pas trois boss. Mais ils étaient très... J'espère qu'il t'a vraiment pas spoil Destiny, par contre. Le mec. Ah, ça fait chier. Mais je sais pas, c'est quoi ces gens... Je suis sûr qu'en plus, en vrai... J'ai même des doutes sur le fait que ce soit un troller ou si c'était juste un con. Zéro de... Ouais, je pense vraiment que... En vrai, je sais pas. Je te promets. Il m'a fait non, mais je demandais. Bah oui, c'est bien. Surtout que, en plus, j'ai prévenu, hein.
Non mais c'est bien fait pour ça. Aïe. Ouais bah super. Oh, je suis une couille. Non, non, mais oui, non, mais clairement, il le méritait. Par contre, j'ai 2 points de compétence. Est-ce que j'ai pas, je peux pas monter un truc? Je crois pas. Hein. Compétence. Si, y a un truc. De certains outils prothèses. En vrai, je vais le prendre, hein, par principe. On verra bien. Minanoshu, wakatte oru no. Kitaru beki wa. Oh la vache, putain. J'ai cru que j'avais fait foutre de la merde. Là j'ai fait foutre de la merde. Putain, en fait ces connards là qui avec leur truc qui font chier. Je suis un peu de la merde, hein. Putain, je suis nul. Alors qu'en vrai, faudrait que j'essaie, quand il y a son attaque rouge, de le faire, et je suis sûr qu'en deux, c'est plié comme ça. Pas gentil lui. Ouais, mais beaucoup moins chiant que le boss qu'on a fait, hein, je pense. Bah, de toute façon, c'est un mini-boss, donc forcément. Logiquement, il devrait être moins chiant, mais... Minanoshu, wakatte oru no. Kitaru beki wa. Ashina sonbou no ikusa. Isshin sama. Soshite Ashina no tami no tame ni. Inochi o sutete. Aïe, la vache. Ah, j'ai pas réussi. Putain, mais j'ai esquivé dans le mauvais sens, quel abruti que je suis. Je suis un con. T'as pas de... Ouais, j'en ai qu'une en fait. Parce que. Enfin, techniquement, j'en ai deux. Mais c'est le même principe que Phoenix il expliquait. C'est.
Ça, je recharge quand j'enlève une barre d'un coup, tu sais, sur le boss. Pour pouvoir utiliser la deuxième. Mais vu que j'en enlève une d'entrée de jeu en faisant mon attaque en sautant du toit. Ah, forcément, il lui en reste plus qu'une, donc. Complicado à récupérer, quoi. C'est par là. Faut savoir que dans cette zone, il y a trois mini-boss. Et je pense que c'est lui le plus accessible. Alors, je sais plus trop où ils sont d'ailleurs, les deux autres. Avec un peu de motivation, je pense que je peux les retrouver, hein, mais. Mais. Ah, j'essaye, hein. Wow. Roi des cons, c'est moi. Ah, celle-ci, je peux pas l'esquiver, en tout cas. Ah, putain, c'est dommage, il me manque pas grand-chose, hein. Non, mais en vrai, on va l'avoir aussi, lui, je pense. On va essayer, en tout cas. Il est grave prenable, hein, je trouve. Tant la dernière fois, j'étais un peu moins convaincu parce que... Parce que je pense que je manquais peut-être un peu de puissance, mais vu que j'en ai eu grâce au boss que je vais que j'ai eu. Ouais, pas de soucis, Décile, t'inquiète. Ah, je pense qu'il est pas esquivable en fait son truc. Ça oui. Voilà. Ça qu'on veut. Voilà, parfait. On enchaîne ou on enchaîne pas? Moi je trouve qu'on enchaîne, hein. Bon bah je vais aller sauvegarder, comme ça il réapparaîtra plus. Il manque une perle de chapelet. Je sais plus trop, je ne sais plus trop, je vous avouerai. Toute cette zone. Oh, mais. Il est passé à travers les toits, lui. Ok, ça je m'en branle un peu.
Putain, j'allais dire une boulette, ça fait toujours plaisir. Je viens de voir son pote, hein. Ses potes, même, devrais-je dire. Putain, mais il y en a encore un. Enfin, il y en a encore un autre que lui. Ou c'est ces trucs qui n'ont aucun sens en termes de lancer. Ah, j'ai l'impression que c'est ces trucs qui n'ont aucun sens en termes de lancer. Par contre, ils étaient bien deux, ok. Ouais, compliqué cet endroit aussi. Bon, après, quoi qu'il en soit, pour l'instant, je pourrais patiner toute la soirée et plus rien faire. Je suis quand même content de ce que j'ai pu faire ce soir. Boss plus mini-boss. Prendre l'échantillon de son provenant de la toux, bien sûr. Combien Emma peut l'utiliser pour trouver un remède à la peste du dragon? Ah, c'est cool. Est-ce que je lui apporte maintenant en vrai je suis un peu chaud. Voyager. Alors moi, je suis où? À Château Ishina, oui, c'est ça. Temple en ruine. Pour savoir où je vais devoir revenir après. Elle est là. Onushito. Oui. Onushito Kuro-sama no maboroshi o mi. C'est pas elle? Maboroshi. Ah. Kuro-sama wa.今はどこにいる？アシナの城。その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが、城の門は閉じられています。そうか。エヴァ、je peux pas lui donner? ブッシ殿のものと同じように血の色がわずかによどんでいる。だがこれは足りるか。おそらくはこれで流骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること。うん、オッケー。Bon, je pense qu'elle va pas le trouver dans l'immédiat, donc je vais pas lui reparler là. Mais au moins c'est fait quoi. J'aurais pas à attendre plus longtemps que... Parce que j'aurais pas fait d'aller-retour. Non, alors Château d'Ishina, Château Ishina... Enfin, Ashina, pas Ishina, pardon. On va bien retrouver un des deux autres mini-boss, parce que je sais plus où ils sont, sincèrement. Et puis essayer de m'en faire un. Et puis après, je pense pas qu'on ira beaucoup plus loin tant que je fasse le mini-boss. J'avais déjà vu ça, il me semble, mais je m'en rappelle plus. Kokugen desu ne, Emma-dono. Thank you.
Alors, par contre, j'ai vraiment zéro souvenir de ces cons-là sur les toits. Je me dis qu'il y avait un... D'autres... Les deux mini-boss, ils étaient accessibles en passant par les toits. Bien que ce soit pratique, mais ça peut vite être assez chiant si... Il y a ces cons-là à chaque fois. Ok. Onoshi, Taroen, Yoroi, o kiseta sou ja na. Ah, ayatsume, uzuri o tte na. Mattaku nangi na shigoto jatta. Da ga sono kai wa atta no dewa nai ka. Ano kyotai to kouriki ni kuwae, ima ya yaiba mo tousane mo ja kara na. La clé d'une salle de garde de samouraï située dans le réservoir d'Ashina, non loin du puits où était gardé Lou, c'est là qu'est entreposée dans le plus grand respect la corne brisée du démon Gyobu. La corne brisée et la lame de la lance qu'utilisait le démon Gubu. Il est impossible de lui échapper. Elle attire les ennemis vers elle et peut faire perdre leur armure. Alors oui, c'est intéressant de savoir où est la loge là. J'avoue. C'est pas dingue comme endroit ça non plus. Aïe. Oh la vache. Lui. Morceau du minerai magnétique qu'on trouve à Ashina, on s'en sert pour les renforts intermédiaires. Il peut servir de matériau de base pour améliorer les outils de prothèse. On peut transformer la magnétite en acier, c'est une ressource importante pour les habitants d'Ashina. Bah ouais, mais j'étais en train de dire. Bah on le canon. Je sais pas trop où je vais, hein. J'ai l'impression que cet endroit en vrai... Ouais, j'y suis pas passé, hein. J'étais pas encore venu ici, hein. Au moins, on peut sauvegarder, là, ok. J'ai plein d'endroits... par où passer, je sais qu'il y a deux boss optionnels que... Enfin, optionnels. Deux mini-boss, pardon. Que j'ai laissé derrière moi. Mais je sais pas trop qui quoi, quand où. Je vais acheter une offrande. Sayo. 死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。 Les pierres de tombe. Ah, incroyable, vous avez rencontré les pierres de tombe. OK, acheter des objets, qu'est-ce que... Ah ouais. Ils vendent des choses, effectivement. Bon, pour l'instant, je vais rien leur acheter, en vrai. Vendre des objets. Par contre, on peut vendre des objets. C'est intéressant à savoir. Ben, je vais rien leur vendre non plus. Pour l'instant, je vais rien faire. Ok, en vrai j'ai un doute de si j'ai sauvegardé ou quoi, donc je vais re-sauvegarder, désolé. Si je l'avais déjà fait, je le refais, c'est pas grave. Aïe. Donjon abandonné.
J'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs derrière moi. Hein. Les deux boss optionnels. Pourquoi je dis optionnel? Les deux mini-boss, pardon. Mais casse-toi! Putain, c'est vénère! Ah, ils sont pas rapides, mais s'ils chopent, ils chopent quoi! Oh, il a l'air d'y avoir mis le truc encore. Ah mais... Ah la vache! D'accord. J'avais pas la ref. Il faut les tuer deux fois pour... Alors lui, j'ai pas l'air de pouvoir le tuer. Il a l'air relativement sympa. Hein. Je vais dire oui. Il va peut-être se battre avec moi, mais... une attachée de sang, le chirurgien du donjon abandonné, un homme robuste de préférence à mettre son bras, ou un jeune et solide soldat par exemple, hein, ne doit être blessé. Ouais. Ah, casse-toi, il m'a tué, hein, ouais. Malheureusement. Masse rouge, là. Confère les yeux rouges une fois consommé un état qui augmente la résistance du tressaillement. Quand on attaquait, toutefois, cet état empêche toute résurrection. Ah, ces masses rouges s'appellent... Rappelle, pardon, quelqu'un qui n'a jamais pu assouvir ses désirs quand on les touche. On remarque qu'elles sont tièdes et semblent émettre une pulsation. Ça s'appelle un cerveau, du coup. Cette passion, ouais, avec eux. Ce que je n'ai pas été, qui était stupide de ma part. Putain, ça a l'air d'être grand encore cette merde. Et il y a plein d'endroits que j'ai pas été voir. Je me répète, mais. De lui, je sais ce que c'est. De lui, je sais ce que c'est. Il y a l'air de rien y avoir de plus en haut. J'ai l'impression, en tout cas. Est-ce que j'ai vu le bout du truc en vrai? Je peux continuer par là, c'est ça? Tout à fait, ok. Je vais même sauvegarder là, et je pense... Ah, quoique... Je vais pousser encore un peu le live, j'allais dire, je pense que je vais m'arrêter là, mais... Comment ça, je peux pas... Quoi? Oh! Ah, merde. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il y avait une merde, ok. On va me reposer là, hein. Comme ça, je l'aurai.
Ça part un peu dans tous les sens cette histoire et je sais pas trop où aller quoi. Lui je le sens pas là-bas, bizarrement. Lui non plus. Je sais pas ce que c'est ces espèces de cages, mais mais c'est là quoi. Faut que je poursuive vers là-bas, ouais c'est ça, putain on y voit que dalle. Compliqué de s'orienter. Ah, il y a quelque chose dans l'eau qui me poursuit. Oula. Calme toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il m'a vu dans l'eau, par contre? J'aimerais bien savoir. J'ai pas trop fait gaffe. Merde, pardon. Spence, je suis pas déjà venu ici. Alors, en vrai, je pense pas parce que sinon, ça me semblerait bizarre qu'il y ait une voix là qui me parle. Mais alors, c'est bien, j'ai plein de points de TP, mais la prochaine fois, il va falloir explorer peut-être un peu plus les zones pour trouver des mini-boss. Hein. Je vais pas. En tout cas, de mini-boss. Entrez où? Ouais. Faisons ça. Prions pour ma sécurité, les enfants. Temple Sempo. Putain, mais. J'ai découvert genre deux zones en 2-2 et je sais qu'il y a minimum deux mini-boss que j'ai abandonnés sur le chemin. Parce que je les ai pas retrouvés. Donc, ouais, il va falloir que je me retépe tout dans les zones. Hein. Je me répète, les enfants, mais. Pour bien trouver tout ça. Alors, j'imagine que je dois passer par. Plein de chemin comme ça, ouais. Attends, il y a un gars là, ouais, voilà. Je sais pas s'il était méchant en vrai. Hein. Ça avait l'air d'être un vieux. Dans le doute, je tue. Hein.
Ok, c'est des méchants. J'ai bien fait de tuer les vieux. Voilà. Ici, moi. Ouais, y a même beaucoup trop de vieux à mon goût. Putain, ma gourde. Aïe! Voilà, hop, hop. Merde, j'ai pas su bien faire. Bon. Ah, le temple des vieux. Mais ils sont pleins. Ils sont beaucoup trop nombreux. Aïe. Putain, mais les vieux dans ce jeu, incroyable, hein. On va aller chercher, hein. Wesh. Ah oui, me voilà là. C'est très bien, mais j'avoue que je sais pas trop où aller là. Il y a une porte quelque part ici. Si on a une, je la vois pas. Un passage quelconque, je ne sais pas. Ah oui, du coup je l'ai vu en grimpant sur l'arbre. Le pire c'est qu'il me reste quand même assez peu de PV, donc j'ai pas envie de mourir à cause d'un... une connerie comme ça. Ça m'a l'air d'être clean. Ok. Encore des vieux. Okay.
Waouh. Graine de gourde. Oh, c'est bien ça. Dès que je peux me TP après, si possible, je le fais. Pourquoi il vomit le monsieur ? Tourne. Voilà, comme ça. Parfait. Ok, on progresse, j'ai envie de dire, mais sans trop savoir où aller et sans trop savoir ce qui nous attend. Putain, il s'est remis. Ah, mais c'est lui qui dégueule les scarabées ou... Enfin, les scarabées et les trucs, quoi. Je sais pas s'il va revivre ou quoi. Dans le doute. Mais c'est encore elle. J'ai l'impression d'aller partout et nulle part en fait. C'est horrible. Je peux pas ouvrir la porte. Il y a des cons. Il y a des cons. Aïe. Oh là. Ouh, clairement pas un bon plan tout ça. Ça va me casser les couilles de mourir là, hein, je vous le dis. Je vais fuir, hein. Je suis désolé, mais... Je vais tenter de fuir, pardon. Notification. Parce que... Je vais sauvegarder, là. J'ai trop de choses importantes et je redémarrerai de vraiment trop loin si... Si malheur, il se produit... Je sais pas par où passer. Je sais pas par où passer. Je sais pas trop où je suis. Je suis totalement perdu. En tout cas, pour l'instant, on est sur du courage fuyon. Ouais, c'est ce que je craignais, mais je pense que je vais m'arrêter là, sincèrement. Parce que là, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup de choses sans savoir où aller. Putain, et puis il y a quelqu'un qui a la peste, c'est super.
Est-ce que j'ai ma graine? Je l'ai peut-être. Je vais voyager jusqu'au temple là. Alors non. Voilà. Et on verra la prochaine fois où est-ce qu'on va faire quoi. Parce que là, il y a plein d'endroits qu'on a trouvé, déverrouillé les TP, mais je ne sais pas où aller. Je vais regarder si elle peut me faire une gourde, si je l'ai encore, ma graine. C'est ma résurrection qui provoque ça, putain. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment mourir? J'imagine que oui. Goutte de sang du dragon rarement donné par l'héritier du 1. L'utiliser augmente légèrement le pouvoir de résurrection, restaurer la vie de ceux qui ont été drainés en offrant cet objet à l'idole du sculpteur avec le charme de purification. Tous les malades de la peste du dragon seront soignés. Ces toux constantes doivent cesser. Ok. À l'aide de ce charme, on peut offrir une goutte de sang du dragon à une idole de sculpteur pour soigner tous ceux qui sont à ce charme combien une goutte. Une clim de la peste du dragon qu'Emma est parvenue à purifier et à solidifier. Ok. Je vais regarder pour faire ça aussi. Donner la graine, utiliser la graine. Ah, donc oui, je l'ai, c'est bien. Ok, c'est cool. J'ai plus de gourdes. Au revoir. On peut soigner une goutte de sang du dragon, peut-être consumée pour soigner la peste du dragon chez tous les contaminés. Toute l'essence de peste disparaît, rendant à l'aide divine toutes ses chances de se déclencher. Ok, alors comment on fait? Parce que, de ce que j'ai compris, c'est là. Non. Ah, du coup, non. J'ai pas compris. A été déverrouillé dans le menu des idoles du shooter. Vous pouvez consommer. Fermé. Ah, d'accord, c'est juste là en fait, c'est ça. Oui. Peste du dragon soigné. Ça, c'est bien. J'espère qu'on en trouvera d'autres de ces conneries-là. Voyager. Je vais repartir au temple en ruine, là. Je vais sauvegarder de là-bas, puis on va s'arrêter là. Et après, on verra. Enfin, demain, on verra ce qu'on fera. D'où est-ce qu'on partira et tout, parce que j'avoue que y a pas mal de choses que je skip, je sais. Merci Dracobal pour le raid, merci beaucoup. Au bon moment. Au bon moment. Aïe aïe aïe. Oh, je... Yes. Nien Adroge, hello hello, bienvenue. Ah, yeah. Ah, je sais pas, qu'est-ce que je fais, je continue un peu quand même du coup. Et Nien à tous. Comment ça va? Sur quoi est-ce que vous étiez? Chacun son tour. Ouais, j'ai l'impression, la pression, pardon. Bah, que je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Parce que j'avoue que sincèrement, j'ai pas la force de continuer sur Sekiro. Mais on peut passer en mode blabla vite fait. Sur Paper Mario, très bien, très bien. Et c'était comment? C'était cool? Ça s'est bien passé? Pas eu de bagarre?
J'adore le jeu. Bah, tant mieux, tant mieux. Paper Mario, je l'ai fait, mais il y a genre giga longtemps. Beaucoup d'exploration, on va dire. On a eu un petit peu d'exploration aussi, nous. De notre côté. On a vécu des émotions aussi. Du coup, je suis en train de chercher qui raid. Je vois Dracoval, mais du coup, je pense pas que je vais le raid. Je réfléchis. Qui c'est que c'est qu'on peut raid? Moi j'attends l'invitation, hein. Pour du Left 4 Dead 2. J'ai un petit streamer. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Mais d'habitude il fait de la musique, il joue de la guitare. Donc, attendez, je vais regarder ce qu'il fait parce que je connais pas la catégorie de son truc. Je vais vous proposer d'aller chez lui. Il s'appelle Bahan. Et il ne fait pas de la musique, il est en train de jouer à un jeu totalement différent que je ne connais pas. Je choisis vendredi de la semaine pro, ça vous irait. À voir. Là, pour l'instant, je te dis oui, mais à voir. Mais pour l'instant, c'est oui. Et de toute façon, en ce moment, vu que je suis en train de programmer les soirées du samedi sur mon Discord, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voter si vous le voulez. Et qu'on fait tourner des jeux multijoueurs, je pense le proposer à un moment donné à Left 4 Dead 2 en jeu pour une soirée du samedi. Parce que je propose des jeux gratuits et des jeux payants. À chaque fois, vous aurez le choix entre 4 jeux de gratuit et de payant. Et là, pour le moment, samedi, on se dirigerait vers un Fall Guys, visiblement. Voilà, je vous conseille d'aller checker ça sur le Discord si vous voulez. Vous faites point d'exclamation Discord, bah, attendez, je vais vous le faire. Si vous le souhaitez, évidemment. Hop. Voilà. Mais ouais, bah du coup, je suis désolé, Dracoval. J'étais vraiment parti pour arrêter. Et j'ai pas la force de poursuivre parce que j'en ai chié face au boss. Et que là, je sens que continuer à avancer dans Sekiro, là, je suis en train de m'éparpiller. J'ai l'impression de passer plein de zones, mais de rien trouver. Et j'ai l'impression que pour l'instant je m'éparpille et je préfère revenir dessus demain, un peu plus reposé quoi. J'ai oublié son nom, c'était la dame papillon, je sais pas quoi. Attendez, je vais vous dire ça par rapport au trophée. Parce que c'est un let's play platine aussi, hein. Je sais pas si vous avez vu le titre. Mais le but c'est de platine le jeu. La dame papillon, effectivement. On en a un peu chié. Mais on l'a eu. Prochaine fois, j'aurai des squeezies. Bah, en vrai, je suis sûr que ça lui ferait plaisir. C'est un homme qui est un peu dans le besoin. Let's go, hein. Let's go. Un enfer. En vrai, encore une fois, hein, comme je le dis, je peux pas dire que c'était facile parce que ce serait mentir. Mais je pense que c'est clairement pas le pire du jeu. Hein. Vraiment. Même si j'ai pas vu la gueule des autres boss. Je pense pas que ce soit ce qu'il y a de pire. Enfin bref, alors du coup, je vais raid. Je vais vous envoyer chez Ban, du coup, qui est d'habitude un streamer qui fait de la musique. Et là, il est sur Honkai Star Rail. Là, je vous avoue, je ne connais pas du tout. À découvert du nouveau gacha. Bon, c'est un gacha, c'est pour ça. J'ai goût de vous montrer, je dois me lever tôt demain. Donc, on se tiendra au jus. Bonne fin de live. Il n'y a pas de souci, Dracoval. Des gros bisous, à la prochaine. Et encore merci pour ton raid.
Et donc oui, du coup, je vais vous envoyer chez Ban. Si vous voulez faire un petit coucou. Ah, ça part en raid. Oui, oui, je vous raid. Comme je disais, chez quelqu'un qui d'habitude fait de la musique, qui joue de la guitare, mais là, il est sur un gachoc que je connais pas. Apparemment, c'est un nouveau jeu. Mais comme d'hab, vous êtes gentil. Vous êtes gentil avec le monsieur. Je vous fais confiance. Moi, le temps du raid, je vais en profiter pour aller aux toilettes, donc je serai peut-être pas là tout de suite. Bah, quoi. Bref. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Demain, 20h30, pour la suite de Sekiro. Et puis, voilà. Des gros bisous, à la prochaine. Et surtout, ne vous amusez plus.